ils sont en train de préparer en fait la transhumance pour jeudi. Ce qu'ils prennent donc du coup les ruches pour les déplacer. Ils partent à la montagne faire du miel, on espère, de pissenlit. C'est du nectar qui a été déshydraté et qui se retrouve avec 80% de matière sèche. Alors là, c'est une reine, elle est marquée en jaune parce que c'est une reine de cette année, une reine 2017. Enfin, autour, ça c'est la cour, donc elle s'occupe de la reine en permanence, elle la nourrisse et puis elle lui prépare aussi les endroits où elle doit pondre. Juste ici, voilà, et dessous le corps. Voilà. Le corps, c'est là où les abeilles vivent, là où la reine pond, où là en fait les nourrices continuent d'élever les larves, de faire grandir les œufs, d'élever les larves. La hausse, c'est quelque chose qu'on pose arbitrairement hein, au-dessus et qui constitue un grenier. Voilà, c'est vraiment le surplus de miel qu'elle rentre et qu'on récolte. Ça, c'est du couvain fermé. Le couvain, c'est le miel à l'intérieur. Non, alors là on voit du nectar, donc ça, ça va devenir du miel. Mais le couvain, c'est ce qui est... Donc là, c'est fermé par un petit opercule de cire. C'est ce qu'il y a les larves ou les jeunes abeilles. D'accord.